bonsoir tout le monde. Je répète, c'est Monsieur Goffla, on est en direct live. Alors là, je vais faire une petite vidéo tuto, je répète, tuto, pour les débutants sur, sur Call of Duty. Mais en fait, débutants sur le fait de la classe. Quelle arme prendre? En fait, moi, quand j'ai commencé Call of Duty, j'ai pris la M4. Je vais faire montrer moi avec quoi je joue. Bon, depuis j'ai changé, mais pour débuter, je trouve qu'elle est très puissante et... Bon, pour moi, elle est même un peu trop cheatée. Mais bon, après, c'est chacun ses goûts. Alors, moi, je joue la M4. Je répète, trop puissant. Trop puissant. C'est un délire, cette arme. Mais, le truc qui est bien, c'est que de près, tu peux faire le travail. Après, tout dépend ce que tu as mis sur ton arme. Et ce qui est bien sur cette arme aussi, c'est quoi? C'est comment dire? C'est que de loin, ah, vraiment, elle touche. Elle bouge pas beaucoup en plus. Hein. Bon, par contre, vous avez vu, moi, je joue qu'avec les crosses inférieures, comme ils disent. Hein. Voilà. Donc, je vais montrer un peu moi ce que je mets. Moi, j'ai mis la. Ah non, j'ai même pas mis de bouche en fait. Ah non, j'ai rien mis. Non, j'ai rien mis. Ah si. Balle chemisée, ça c'est normal. Ça c'est pour, comment dire, pour les pénétrations des balles. On sait au moins quand il y a un mur ou une tôle, on sait au moins ça traverse, ça traverse la tôle. C'est ça que j'aime bien. Après j'ai mis une poire arrière, comme ça quand je tire c'est pas elle se lève. Au moins quand je tire, elle va bouger un petit peu, mais moins qu'avant quoi. C'est ça que j'aime bien. Et en plus dans ce que j'ai mis c'est stabilité de visée et stabilité de en marchant quoi. Donc je trouve ça plutôt. Bon après normal les cartouches, les munitions c'est très important. Et puis moi j'ai mis celle-là, moi j'ai mis la poignée commando, je préfère celle-là. Parce que les autres j'aime pas trop, parce qu'avec celui-là on peut faire, comment dire, il y a le lance-grenade, il y a plein de choses qu'on peut mettre, mais bon, moi c'est pas mon délire quoi. Moi je préfère jouer ça, au moins si je suis tranquille, au moins j'ai une bonne visée, au moins j'ai une bonne stabilité au niveau du recul, au niveau de la visée, au moins je suis vraiment bien sur les fights de loin. Après comme je dis, il faut avoir du shoot. C'est pas parce que tu vas prendre ça que tu vas me faire des kills, mais il faut avoir du shoot. Mais après cette arme-là elle est cheatée, hein. Pas cheatée mais tu sens qu'elle est plus puissante. Après, je joue avec. Non, je joue même pas avec canon, tiens. Non, je joue avec une lunette, bah, lunette de base. Hein. Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup, mais je trouve que c'est bien parce que, au moins, le mec, par exemple, s'il veut copier ton arme, il sait pas ce que t'as mis réellement. Du coup, au moins, le mec, il peut faire ce qu'il veut, quoi. Il y a tellement de viseurs, regarde. Tout, c'est un truc de ouf, hein. Sur ça, je suis choqué, mais bon. Au moins, maintenant, vous savez à quoi je joue. Mais bon, maintenant, j'ai changé. Je ferai une autre vidéo où, maintenant, avec quoi je joue, parce que cette arme-là, j'aime bien, mais c'est pas ma préférée. Donc là je répète, alors après, ce que je vous conseille, mettez celui-là. Il est très bien. Attendez, 357, bon il est con quoi lui. Merde. Mais j'ai rien mis dessus en plus, vous avez vu, j'ai rien mis. On va mettre ça, écoutez, moi je joue pas trop. Moi je suis pas très fort aux armes secondaires. Jamais je le mets. Alors après comme atout, moi j'aime pas de course pour courir plus vite. Après chacun son délire. Moi je joue à ça. Je trouve que ça marche bien. Après, en fait, j'hésitais entre la régénération rapide et pas de course. Mais je préfère pas de course comme ça, plus vite. Fantôme, pour pas être détecté par tout ce qui est drone, comme d'habitude, quoi. Et un durci en combat pour avoir moins d'impact sur les flashs, les grenades, tout ça. Moi, je préfère ça. Après, chacun son comment dire, chacun sa classe, ok. Cocktail Molotov, je préfère aussi. Comme ça, au moins, je le crame pendant un bon bout de temps. Moi je trouve que en fait je préfère parce qu'en fait le cocktail Molotov quand il crame partout. Après chacun son truc. Après aussi des fois je mets des clés mortes mais pff, ça dépend quoi. Voilà, ça dépend, c'est pas tout le temps. Donc du coup on va faire une petite game. Comme ça on va essayer de voir alors après si je vous montre ça aussi. Je mets drone de base. Je mets quoi d'autre? Je mets ça là. Comment on appelle ça déjà? Frappe de dispersion. Et j'ai mis les coups d'attaque. Moi j'ai pas encore débloqué le mastodonte. J'ai rien de le débloquer mais il faut que je joue, je répète. Donc là, on va faire une petite game. On va aller en domination. J'espère qu'il n'y aura pas que des campeurs parce que sur Call of là, c'est un truc de ouf. Mais bon, après, il est bien. De toute façon, un jeu sans campeur, c'est pas un jeu. Hein. Ça m'étonnerait. Attends. Ah, en plus, j'adore, je répète, j'adore cette map. Attendez, je vais vous montrer. Bon là, par contre, il manque une crosse. Hein. Déjà, ça bouge vraiment pas. En plus, regardez, allez mettre des cadences. Vous avez vu, elle monte un peu, mais ça marche bien, quoi. Vous allez voir. Je vais essayer de défoncer des petits lapins, je répète. Des petits escrocs. L'ennemi prend B. Ok, nice. 1, 2, 3. Ok, nice. Vous avez vu la cadence? Ok, 2. Nice. Petit cocktail, ça va les réveiller, je pense. Il en reste 1. Ça leur fait un petit travail quoi.
ennemi près de l'entrée de la grotte. Ça campe beaucoup ici en plus. Ah, je vous jure. Qui ça campe Nice. J'arrête, nice trop vite. C'est pas grave, allez go. Mais au début, comment là, comment l'arme elle bouge, mais pas beaucoup quoi, c'est ça qui est bien quoi. Elle fait bien le taf. Il a tué aussi. Mais ouais, mais où ils sont, putain. En fait, les mecs, c'est... des fois, les... non, c'est pas, excusez-moi, mais des fois, les mecs, ils savent pas jouer en isolation. Ils vont trop rush dans leur spawn et après. Le spawn il tombe n'importe où. Mon allié déployé. Déjà qu'il est mal fait en plus. Jaguar 3-0. Le radar personnel est à. Ton ennemi activé. Ennemi près de l'entrée de la grotte. Là j'ai dû. Ah, ce que j'ai raté, putain. Qu'est-ce que j'ai raté. La honte. Wow. C'est qu'un jeu. Voilà, allez bam, c'est parti. On va aller. Ah, comment ça se fait qu'il est derrière nous lui? Mais comment ça se fait? Oh là putain. Toujours un mec derrière. Putain, puis il a pris la ligne. Je répète cette enflure. Cette arme-là, elle va être nerf, elle fait trop mal. Enfin, c'est mon point de vue. Pouah, elle fait trop mal, hein, c'est abusé. Tu te manges des rafales, tu pleures. Ok, nice. De 1. On va aller dormir. Ah putain, je l'ai pas vu. Merde. Désolé, mes lapins. Allez, en plus, il était couché, il était aveuglé. Putain, dommage. J'aurais pas dû m'avancer comme ça avec mon cocktail. Mais je répète, c'est pas grave. Ah, j'ai un peu... ah, je l'ai touché une fois, je crois. On va descendre en bas. Oh putain. On est chaque deux. On est double. Doublette. Ok. Nice, ok. Petite case de munitions pour être bien. Voilà. Petit drone qui réveille tout le monde. Hop. Vous l'avez vu? Ah oh, putain, vite fixe, ça lui, putain. Regarde-moi ça, quoi. Putain. Ah c'est un truc de ouf, j'aime pas les gens qui jouent comme ça. Mais regarde. L'ennemi tient deux spots. Là c'est ma faute. J'ai pas ouvert mes yeux. Bon game quand même, parce que hein. Ok, bonne nuit. Ok, bonne nuit. Bonne nuit. Petit drone pour réveiller tout le monde. Compris, Jaguar 3-0 est en route. On va prendre le point alpha. Tant que lui est là, tant que lui est là. Non mais il peut. Je fasse attention tu vois, maintenant. En fait il campe ici là. Vous avez là, juste à côté du truc. On va prendre le point alpha. Frappe de précision ennemie en approche. On s'est vu mutuellement. Bah ouais, mais putain, foiré. Okay. Ouais, je pense qu'ils ont dû se faire déloger les mecs là-bas. Qui campaient sur le côté là. Ah, ils sortent, ils sont en train de péter les couilles. Mais regarde, ça campe ici. En fait, dans cette map là, ça campe ici. Et juste là, quand on sort de la grotte, même d'enflure. Désolé du niveau, mais bon. Hein. Moi, je vous présente un peu la M4, quoi. Ce qui a fait mal. Putain, arrêtez.
On sécurise le point Charlie. Point Charlie sécurisé. Bonne nuit. Allez, bonne nuit aussi. Oh putain, toujours un mec qui me défonce le cul. Toujours un. Pas grave. Ah, en fait, le mec il campe ici, ok, d'accord. Ok. L'ennemi va prendre le point. Je sais pas où j'étais, les mecs, mais. Ok, pas de nuit. Ok, nice. Frappe de précision ennemie en approche. Ok, il a fait le tour vers là-bas. Ok, nice. Tu viens souvent sur le côté, il te prend le dos. Je le vois pas. Oh putain, GG. Je rappelle là, j'avoue, GG. Attends, regardez, le mec il a fait un kill quoi. Après, dites-moi vous votre classe dans les commentaires, ok. Mais là, pardon, désolé si des fois je parle pas beaucoup. Je suis concentré en fait, ok. Je suis désolé. Hein. Je me concentre. L'ennemi capture C. Je crois peut-être que ça va le dire, ça va se calmer lui. C'est ce qui va bouger après. On a perdu le point C. Arrête, ne bouge pas. Je répète pour la base, calme-toi. Attendez, parce que ma vie elle est un peu. Je suis un peu trop low là. Un peu trop même. Je vais prendre C parce que si je. Oh merde, je l'ai pas vu. Désolé. J'avais mes lunettes, que j'arrive pas avec mes lunettes, c'est impossible. Quand même, j'arrive pas. Je vois tout en rose, ça fait bizarre. Je répète, ça fait chelou. Allez, go. Quoi? Là bon, on l'a vu. Ok, nice. Nice, ok. Attendez, hein. Je suis un peu low. Je vais pas faire le fou en rush. Ah putain! Je savais! Désolé. Bah ouais, il a quitté. Bon, vraiment, t'as quitté, mon lapin. Mais lui, c'est. Le mec il joue pas, on dirait. On a vu, il a 0-0-0. Oh mon dieu. Drone ennemi activé. Ennemi dans la zone. Arrête de croire. Lui il a cru les faire les 3 gratuits. Vas-y. Wesh. Drone ennemi activé. Ah ouais, putain, lui ça veut qu'il porte des lunettes quand il joue. Il doit avoir, je sais pas, un Sharingan. Ah mais là ouais, bon là mais la pas donné, mais la partie va être morte hein. Tout le monde qui arrive au début, il quitte, il revient les mecs. Vas-y prends mais j'arrive vous. Voilà, nice. L'ennemi capture A. Mon radar personnel détruit. On sécurise le point Charlie. On a perdu le point A. On est mal mais c'est pas encore fini. En avant. Le point Charlie est à nous. Oui. Je l'ai tué. Ah rien sur les enflures, putain. Bande d'enflures, je te promets. Je répète des enflures. Nice. Attends. Les ennemis dans la zone. En fait, là, le mec, il attend au format s'il tire. Toi, tu pourras pas me niquer comme ça. Attends, quand c'est la fête. Il est juste là. Tu peux pas me tuer comme ça, attends. J'allais mourir. Je rappelle, j'allais mourir. Mais en fait, bien lapin, alors vous, dites-moi ce que vous en pensez de la M4. En tout cas, moi je trouve que c'est une arme pour bien débuter. Ou aussi, après, il y a la MP5 qui est bien. Mais bon, comme dans ce Call of là, les maps ils sont assez grandes. Donc moi je pense que c'est mieux. Après, si t'es un rusher aguerri, prends la MP5.
Après, chacun son point de vue. Mais moi, je trouve déjà la NK pour commencer. Bon, là, ça va, j'ai fait deux captures, une défense, je suis mort 16 fois. Bon, c'est pas ouf. Mais bon, moi, j'ai fait une petite 25 kills. C'est, j'ai répété, sympa. Parce que maintenant, sur ce Call of là, c'est dur de faire des gros scores. Je vais pas vous mentir. Donc voilà, enfin, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue à faire des vidéos et tout comme ça sur Call of Duty. Je trouve que c'est bien, ça change de Fortnite. Bon, ça, moi, il y a un peu de tout sur ma chaîne. En tout cas, bisous à vous. Bonne soirée à vous, je répète, abonnez-vous, likez, je répète, au revoir tout le monde, je répète, on est en direct. La merde.